nos terres, au secours, nos voleurs, ramenez-nous nos terres, au secours, nos voleurs, ramenez-nous nos terres, au secours, nos voleurs, ramenez-nous nos terres, au secours, nos voleurs. Le CPT, le collectif des propriétaires terriens, est là devant la presse pour dénoncer avec la dernière énergie la venue du sous-préfet de Tangori à Koubalan, sur recommandation du préfet de Bignona, accompagné de diverses personnalités. Le DG de l'UKAO, les techniciens du CADAS, le maire de la commune de Koubalan, les chefs de village de Koubalan et de Djiguinom, le commandant de brigade de gendarmerie de Bignona, les jeunes de Djiguinom, pour délimiter à nouveau nos terres au profit de l'église catholique pour la construction d'une unité universitaire à Koubalan. Une telle opération chez nous est pire sur nos terres, sans nous et contre nous. Nous la considérons comme étant un forcing, une grave violation de nos droits pouvant aboutir à une incitation à la révolte. Nous interpellons les chrétiens du Sénégal et du reste du monde sur les agissements iniques de l'Église catholique avec la complicité de l'autorité de l'époque, coupable de diverses forfaitures, falsification de signatures, faux et usage de faux, plagiat, détournement de biens publics et déni du périmètre agricole des jeunes par la plus haute autorité de l'Église, Monseigneur. Mais aussi, nous nous interrogeons sur le silence assourdissant du chef de l'exécutif régional, monsieur le gouverneur, en dépit de toutes les informations importantes mises à sa disposition. Pour la paix et la stabilité, la cohésion sur toute l'étendue de la zone des Kalounaï, et particulièrement de Koubalan, qui a toujours constitué un havre de paix, nous exigeons la restitution de l'intégralité de nos précieux terres et le départ définitif de ces affairistes véreux qui utilisent le manteau de la religion pour nous priver de l'usage de nos terres. Nous invitons enfin le chef de l'État et toutes les personnes de bonne volonté à réagir au plus vite pour le triomphe de la vérité et le rétablissement de la justice. Vive le droit, vive la justice, vive le Sénégal des droits. Les conséquences sont énormes quand on nous reprend, quand on laisse ces gens-là envahir nos terres. Donc il n'y aura plus d'activité comme en temps. L'élevage, l'agriculture et le retour aujourd'hui, comme l'a prôné le chef de l'État, le retour à l'agriculture. Donc nous n'aurons pas là où cultiver. Et regardez tous ces jeunes-là, leur avenir est sur cette terre. Donc nous sommes concentrés dans les maisons de famille. Aujourd'hui, nous voulons l'expansion du village, le lotissement du village. Où est-ce que nous, on va lotir quand un groupe de personnes vient détenir plus de 100 hectares de nos terres? Alors qu'ailleurs des universités, et cet avis tel que l'université du Kao, l'unité mère qui se trouve être à Ouaga, ne fait pas plus de 2 hectares. À Saint-Michel, on n'a pas plus de 50 mètres carrés. À Jiguinchor, ici, il n'y a même pas plus de 25 mètres carrés. Donc pourquoi à Koubalan, ils viennent prendre s'approprier plus de 100 hectares? Donc aujourd'hui, nous, cette appropriation, nous la dénonçons de façon vigoureuse et nous demandons à ce qu'on nous rende nos terres de façon définitive. Effectivement, c'est la reprise de l'immigration clandestine des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, regardez tous ces jeunes-là, ils sont victimes de la déperdition scolaire. Certains aussi sont victimes, et cet avis, ils sont revenus pour, et cet avis, exploiter les terres. Donc aujourd'hui, avec le Proval qui promouve pour l'exploitation de la vallée et l'exploitation des périmètres agricoles, où est-ce que nous, on va pouvoir manifester ces activités? Donc nous demandons, et cet avis, sans cela, il y aura la famine ici. Il y aura la famine et d'autres dégâts, et cet avis, que nous aujourd'hui, nous ne voulons pas, et cet avis, que ça se répercute dans la zone. Parce que vraiment, l'oisiveté, et cet avis, l'absence de travail ou bien d'activité pour les jeunes, d'occupation pour les jeunes, risque de mener, on risque de pousser les jeunes à divers, et cet avis, problèmes dont nous ne souhaitons pas.
Rendez-nous nos terres, au secours, nos voleurs. Rendez-nous nos terres, au secours, nos voleurs. Rendez-nous nos terres, au secours, nos voleurs. Rendez-nous nos terres.